Mère, priez. Il y a une campagne contre nos enfants. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a un projet précis venu de l'enfer pour détruire toute une génération d'enfants, de l'âge de 13 ans ou 14 ou au pire 15 ans, jusqu'en descendant à la petite enfance. Je vous le dis, il y a un projet réel visant à gagner toute cette génération. Peu importe votre richesse, si vous ne priez pas, vous serez surpris. Et je ne parle même pas des vices qui gangrènent le monde actuel, ni des institutions mises en place par Satan pour faire avancer Babylone. Votre enfant rentre avec quelque chose qui vous empêche de dormir, vous posant des questions qui vous troublent en tant que parent, apprenant toutes sortes de choses inutiles et démoniaques. La génération de nos parents était une génération de loyauté. Même s'ils ne croyaient pas en vous, ils vous respectaient jusqu'à leur mort. Mais cette génération remet tout en question. Pourquoi devrais-je croire en Jésus? Donne-moi au moins trois raisons. J'ai été enseigné dans une école que tu n'as pas fréquentée. Toi, tu utilisais une craie et un tableau noir. Nous utilisons des applications. Donne-moi une raison intelligente. Et ils vous donneront cinq raisons de quitter Jésus et demanderont trois raisons pour rester. C'est la génération que nous avons aujourd'hui. Nous avons grandi dans une génération de discipline et d'obéissance sans poser de questions. On nous disait « Assieds-toi ici » et on n'osait pas demander pourquoi. Aujourd'hui, votre enfant demande pourquoi. Et si vous le touchez, le gouvernement va intervenir. Je vous dis la vérité, si nous ne prions pas, nous allons perdre toute une génération. Que chaque enfant de Koinonia ici soit couvert. Je ne parle pas des enfants adultes, mais de nos enfants, de nos jeunes enfants. Au nom de celui qui est au-dessus de tout nom, si vous êtes une mère, levez vos mains. Pour toute attaque, je prie pour vous au nom de Jésus. Que cette attaque retourne en enfer. 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 Asseyez-vous, je vous en prie. Que cela retourne en enfer, au nom de Jésus. Et si le diable s'est infiltré dans une famille, plantant des attaques, sachez ceci. Satan peut attaquer de différentes manières. Il peut attaquer votre santé, vos finances, attaquer un couple qui vivait en paix. Juste lorsque la prophétie est sur le point de s'accomplir, l'homme va faire un rêve et va voir sa femme avec un couteau. C'est une manipulation démoniaque. Et s'il n'a pas l'intelligence spirituelle, parfois malheureusement, ils viennent nous voir, hommes de Dieu, et nous leur disons, « Ah, vous êtes en train de vivre avec une sorcière. » Ce qui crée encore davantage de problèmes dans la famille. Je prie pour vous, si votre famille traverse une attaque en ce moment, si vous ne traversez aucune attaque, c'est bien. Mais si vous vivez une série d'événements inexpliqués dans votre vie ces derniers mois, je prie pour vous, soyez délivrés maintenant. Soyez délivrés maintenant. Soyez délivrés maintenant. Des événements étranges dans vos rêves. Des hostilités qui viennent de toutes parts. Du fond de mon cœur, je prie pour vous. Que Dieu vous montre une porte de sortie. Écoutez, la guerre spirituelle est réelle. Est-ce que vous m'entendez? Je dois vous dire la vérité. Le combat spirituel est réel. Satan attaquera tout ce qui porte la grâce de Dieu, y compris votre destinée. Peut-être diriez-vous, apôtre, mais je réussis très bien en affaires. J'ai gagné 1 milliard ce mois-ci. Félicitations. Mais ce n'est pas seulement vous qui l'avez remarqué. L'enfer l'a également vu. Ils ont vu vos bonnes intentions, telles que « Je vais donner 100 millions à l'œuvre de Dieu. » Et Satan répond ceci, « Pas tant que je suis là. » Il va faire tout pour détruire votre entreprise. Il va planter un voleur ou transformer une personne de confiance en quelqu'un de nuisible. Satan est déterminé à détruire votre destinée. Sommes-nous ensemble? Oui, pour certains d'entre vous, Dieu a suscité des aides. Nous allons prier sérieusement ce soir. Préparez-vous et ouvrez votre cœur. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une femme est venue me voir, vraiment en colère contre une autre femme. Je lui ai dit de se calmer. Voici ce qui s'est passé.
Une personne qui voulait l'aider a été influencée par des rumeurs lors d'une conversation entre femmes. Elles ont commencé à dire toutes sortes de choses négatives sur elle. La personne qui devait l'aider a entendu ses propos et s'est dit « Je ne savais pas que la femme que je voulais aider était comme ça » et a retiré son soutien. Plus tard, lorsque cette femme en difficulté a demandé pourquoi elle n'avait pas pu recevoir l'aide, on a retracé l'origine de ce malentendu à cette autre femme et elle était furieuse. Normalement, je n'ai pas le temps de répondre aux messages, mais parfois je dois intervenir pour éviter que des malentendus ne se propagent. Cette femme était en colère en disant « Les gens de l'église sont des traîtres ». Je lui ai dit « Ce n'est pas le vrai problème. Vous êtes une personne spirituelle. Regardez au-delà de cette situation et voyez qu'il y a une attaque spirituelle ici. Si vous restez en colère contre votre prochain, vous allez manquer d'intelligence spirituelle. » Vous devez voir que Satan manipule les gens comme des marionnettes. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi il est essentiel de prier. Vous devez prier pour que Dieu éloigne les personnes malveillantes de votre vie et qu'il préserve votre paix par des moyens divins. Je suis désolée de dire cela, mais je me souviens d'avoir prié pour une femme dans le corps médical. Comment a-t-elle contracté le VIH à l'hôpital? À travers une procédure médicale, sans même s'en rendre compte. Une réaction s'est produite après quelques mois et c'était fini. Je me suis dit, Seigneur, je vais prier pour elle de tout mon cœur. J'étais accablée car cette femme n'avait rien fait de mal. Peut-on vraiment dire que c'est un crime de travailler dans un hôpital et de subir tout cela? Et le problème avec notre société, c'est qu'elle n'a pas le temps d'écouter la vérité. Lorsque les gens entendent des rumeurs, tout le monde se met à parler. Il y a des gens qui, à cause de leur propre souffrance, se réjouissent d'entendre de mauvaises nouvelles sur votre vie. Cela les réconforte. Mais nous allons prier en disant « Pas ma destinée, pas ma destinée, pas ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a amené jusqu'ici. Je ne vais pas monter pour ensuite redescendre. Pas ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Je ne monterai pas pour ensuite tomber. » Avant de continuer, prenez un instant et élevez votre voix pour prier avec agressivité. Je déclare l'exemption. Que quelqu'un ici prie, que cela vienne du fond de votre cœur. Exemption de la sorcellerie, exemption du mal. Toujours plus haut, jamais en dents de scie. De gloire en gloire, pas de gloire en honte. D'augmentation en augmentation, pas d'augmentation suivie de manque. De feu en feu, pas enflammé aujourd'hui et froid demain. À l'extérieur, priez. Azaria, priez. Contre toute force spirituelle qui s'oppose à votre pertinence et à votre progression, au nom de Jésus-Christ. Force anti-destinée, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes venu à l'église ce soir, luttez dans la prière. Certains d'entre vous, vous ne priez pas assez, priez. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit, toute conspiration de l'enfer contre Koinonia, contre Joshua Selman. Oh, vous êtes venu par un chemin. Vous serez dispersé par cet chemin au nom de Jésus. Que quelqu'un prie. Attaque de mort, attaque de maladie, maladie mystérieuse qui ne peuvent être expliquées médicalement. Je vous défie par le sang de l'Alliance éternelle. Je place un sceau sur cette situation, le sceau de l'œuvre accomplie du Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez,
Vous allez encore prier une dernière prière avant de vous asseoir. Une des plus grandes zones d'attaque dans cette saison concerne vos finances. La Bible dit, les hommes forts conservent la richesse. Il faut de la sagesse pour attirer la richesse, mais il faut aussi de la force pour la conserver. Et la force du croyant se trouve dans la prière. Seigneur, je ne vais pas rire et pleurer en même temps. Non, j'ai déjà pleuré auparavant. Je ne vais plus pleurer après avoir ri. Élevez votre voix et priez, surtout pour les provisions divines. Je ne vais pas profiter de mes aides pour ensuite me retrouver démuni. Toute machination visant à éloigner les aides de votre vie, à frustrer vos finances pour que vous n'ayez pas la liberté de venir à l'église, la liberté d'apprendre les voies de Dieu en paix, confrontez-la par la puissance du Saint-Esprit. Man of God, pray. Woman of God, pray. Businessman, pray. Homme de Dieu, priez. Femme de Dieu, priez. Entrepreneur, priez. Nous luttons dans la prière. Lorsque nous prions, nous défions les forces démoniaques qui se dressent contre notre destinée. Elles s'assoient sur les couloirs de nos vies. Nous repoussons les armes de l'enfer. Nous établissons le bien sur nos vies et nous ouvrons la voie pour sa manifestation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Luc 22, versets 31 à 32. I will still give you the remaining. And the Lord said, Simon, Simon, behold, see, you have eyes, but you are not seeing. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan t'a criblé comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Remarquez bien ce que Jésus a dit. Il ne nie pas l'attaque de Satan, mais il nous montre quoi faire face au désir de Satan. Ce que nous devons faire lorsque nous détectons les plans de l'ennemi. Il ne suffit pas simplement de dire « cela ne m'arrivera pas », mais il faut prier. Chaque fois que nous percevons les attaques de Satan sur nos vies, nous devons entrer en prière. Il y a des personnes que Satan veut détruire, pas seulement pour les faire rétrograder, mais pour les faire mourir parce qu'elles ont causé trop de dommages à son royaume. Il y a des personnes que Satan ne veut pas voir franchir l'année 2025. Il ne suffit pas de dire que Dieu me protège. Il faut interdire ces attaques par la prière. Prenez une minute à présent. Élevez votre voix et déclarez que toute limitation, toute attaque contre mon avancement est annulée au nom de Jésus. Nous la maudissons par le sang de l'Alliance éternelle. Nous démantelons les programmes démoniaques contre nos destinées, les plans des ténèbres qui se manifestent par de mauvaises nouvelles et des malheurs. Nous les détruisons au nom de Jésus. Priez aussi pour Koinonia. Priez pour la protection de cette communauté spirituelle. Alléluia. Veuillez vous asseoir brièvement, mais vous allez vous relever à nouveau pour continuer à prier. Lorsque nous prions, nous luttons contre les forces spirituelles qui combattent nos destinées. Il y a environ 4 mois, nous étions en train de nous préparer pour la conférence aux États-Unis. J'avais fini de prier et j'étais fatiguée, alors je me suis couchée pour dormir. Moins de 20 minutes après, j'ai ressenti une présence très démoniaque dans la pièce. J'ai toutes sortes d'expériences spirituelles, mais celle-ci était différente. C'était presque comme une incitation à prier à nouveau. Je me suis donc levée avec colère, pensant que cette présence voulait interrompre la conférence. Même en dormant, vous pouvez ouvrir le feu par la prière. Ne riez pas à cause de ce que je suis en train de dire. Je vous apprends comment triompher dans la prière. Seul Dieu sait ce que cette prière a empêché. Peut-être un accident, peut-être un danger imminent.
mais pas moi, non. Le monde spirituel ne décidera pas de mon sort pour que je devienne une victime. Jamais. La prochaine fois que vous allez ressentir que quelque chose ne va pas, n'attendez pas de comprendre. Même si vous marchez dans la rue, commencez à prier en langue. Ne vous inquiétez pas du verset que vous allez utiliser. Commencez simplement à prier en langue. Les Écritures sont déjà en vous et sortiront de votre esprit comme des flèches. En priant, Dieu vous donnera la perspective de ce que vous êtes en train de prier. Si vous ne priez pas en langue, vous pourriez prier mais sans but et ne pas cibler la véritable attaque. Écoutez-moi bien. Un avantage de la prière, c'est que vous pouvez prier, même à voix basse, sans déranger les autres. Vous êtes le seul à ressentir ce que vous ressentez. Et vous n'avez pas besoin de prier seulement lorsque vous ressentez quelque chose de mauvais. Même lorsque vous sentez que quelque chose de bon approche, priez. Lorsque vous sentez une perturbation de votre paix, c'est souvent le signe d'un danger spirituel. Et lorsque vous ressentez une joie surnaturelle sans raison apparente, c'est souvent que votre esprit a touché une bonne nouvelle à venir. Ne vous arrêtez pas là. Restez dans la prière. Demeurez dans la prière. Vous appelez ces bénédictions dans votre vie. Au nom de Jésus, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Ces bonnes choses doivent venir. Elles doivent se manifester par la puissance de Dieu. Est-ce que vous apprenez? Priez. Dépêchons-nous. Nous allons encore prier. Passons à présent au numéro 5. Écoutez bien celui-ci. Lorsque nous prions, nous programmons l'aide nécessaire pour chaque saison. Ah, c'est une chose puissante. Je veux vous montrer un mystère à présent. Par la prière, nous programmons l'aide dont nous avons besoin pour chaque saison. Acte 9, versets 10 à 11. Pendant que j'étudiais et préparais mes notes, le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce passage des Écritures que je n'avais jamais vu sous cet angle auparavant. Regardez bien. Il s'agit de Saul de Tarse, qui était devenu Paul. Écoutez, lorsque Paul a rencontré Dieu, il est devenu aveugle et il est allé à la maison de Judas où il a demeuré. La Bible dit ensuite qu'il y avait un disciple à Damas nommé Ananias. Écoutez bien, la Bible dit que le Seigneur lui parla dans une vision. Ananias, et il répondit, « Me voici Seigneur ». Verset 11, j'aime ce verset. Il est dit, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Pourquoi devait-il y aller en tant qu'aide? Lisez la dernière phrase avec moi. « Car voici, il prie. » En réponse à sa prière, regardez ce qui se passe au verset 12 à présent. Sans que Paul le sache, sa prière était en train de négocier une aide sérieuse. Et la Bible dit que pendant que Paul priait, il avait vu en vision qui? Un homme. Parfois, vous voyez des anges. Mais parfois, ce dont vous avez besoin, c'est de voir un homme. C'est dans la prière qu'il a vu l'aide arriver. Il a vu un homme nommé Ananias venir, poser les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. Verset 13. Mais Ananias a commencé à discuter. Il a dit, « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait. » Regardez bien ceci. Pendant que cela se passait, Paul continuait à prier. Savez-vous ce qui se passait? Paul avait vu Ananias venir en vision, mais physiquement, Ananias refusait d'y aller. Il disait, « Seigneur, je ne veux pas y aller. J'ai entendu parler des mauvaises actions de cet homme. » Si Paul avait cessé de prier, Ananias aurait refusé cette mission et serait parti, laissant Paul aveugle. Paul serait resté là. Et si vous l'aviez interviewé, il aurait dit, « Je ne comprends pas. Dans la prière, j'ai vu une vision. » Où Ananias venait. Et Ananias a refusé de venir. Moralité,
La vision ne suffit pas. Vous devez prier pour qu'elle se réalise. Beaucoup d'entre vous ont vu venir des aides. Et aussitôt que vous les avez vus, vous avez cessé de prier pensant, « Puisque je l'ai vu, cela doit se produire. » Non! Pendant que cela se produit, il y a encore des négociations en cours. Ananias avait refusé. Il disait, « J'ai entendu parler de tout ce qu'il avait fait. » Verset 14. « Mais le Seigneur lui a dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Qui a donné cette explication à Ananias? Dieu. Personne d'autre n'aurait pu donner cette explication à Ananias. C'est parce que Dieu lui a dit, « C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens. » Ananias a alors dit, « Ah, vraiment, je change donc d'avis. » Priez pour que Dieu parle à vos aides. Laissez-moi vous dire ceci. Certains d'entre vous, la seule personne qui peut expliquer votre situation à vos aides, c'est Dieu. Car vu les rapports qu'ils ont entendus sur vous, sur votre famille, sur votre entreprise, ils ne vous aideraient pour rien au monde. À ce moment-là, vous devez prier. Lorsque le pasteur Promise vient recueillir les offrandes, il dit souvent que Dieu mette votre situation dans le cœur des hommes pour qu'ils vous aident. Cela vous semble une prière simple, mais c'est une prière extrêmement puissante. Un homme riche ne vous aidera pas parce qu'il est riche. Il vous aidera parce que Dieu a mis votre situation dans son cœur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lorsque nous prions, notre esprit est vivifié et nous accédons à un domaine de discernement. Lorsque nous prions, nous recevons la feuille de route prophétique qui concerne chaque saison jusqu'à la suivante. Lorsque nous prions, nous recevons la direction stratégique pour le niveau suivant. Lorsque nous prions, nous luttons contre les forces spirituelles démoniaques qui combattent l'accomplissement de notre destinée, qui luttent contre les prophéties sur nos vies. Cinquièmement, lorsque nous prions, nous programmons l'aide nécessaire, qu'il s'agisse de l'aide venant des hommes ou davantage venant des systèmes. Sixièmement, lorsque nous prions, nous bâtissons la capacité. Notre capacité qui nous qualifie pour une plus grande gloire. Écoutez bien cela et ensuite nous allons prier. Lorsque nous prions, nous bâtissons notre capacité qui nous qualifie pour une plus grande gloire. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un peut-il dire force? Criez le plus fort. Force. Encore une fois, capacité. Capacité. Vous avez besoin de capacité dans votre homme intérieur. Écoutez-moi, le niveau d'onction que Dieu a placé sur ma vie aujourd'hui n'était pas le même lorsque j'ai commencé avec lui. Il aurait été injuste pour Dieu de m'accorder ce niveau de grâce à cette époque, car ma capacité à ce moment-là n'aurait pas pu supporter et accueillir ce niveau de gloire. Plus grande est votre capacité dans l'esprit, plus grande est l'onction que Dieu peut investir en vous. Sommes-nous ensemble? Plus grande est l'excellence de la gloire qui émane de vous. Plus grande est la mission. Plus grande est la facilité d'opération. C'est ainsi que cela fonctionne. Les choses qui étaient difficiles pour moi hier, selon tous les standards, sont maintenant plus faciles à accomplir. Pas nécessairement parce que les défis ont disparu, mais parce que la capacité a été bâtie dans mon esprit. Sommes-nous ensemble à présent? Lorsque vous ne bâtissez pas votre capacité, il y a une limite à ce que Dieu peut vous confier dans son programme ou pour le prochain chapitre de votre programme prophétique en Christ. Ce que Dieu veut faire dans votre vie ne se produit pas simplement par sa volonté seule. Cela dépend de votre capacité pour certains d'entre vous. Dieu veut faire de grandes choses, mais la vérité est que vous êtes encore au niveau d'hier. Vous ne vous êtes pas encore élargi. Vous n'avez pas encore pris de l'ampleur, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Dieu ne peut pas placer une plus grande grâce sur votre vie. Cela serait du gaspillage. Lorsque vous versez un tonneau d'huile dans un seau, vous allez gaspiller tout ce qui dépasse la capacité du seau, n'est-ce pas? Vous avez un tonneau d'huile et vous le versez dans un seau. À la fin, ce que vous aurez, c'est un seau plein
et tout ce qui dépasse sera gaspillé par terre. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous sont. Et comme Dieu n'est pas un auteur de gaspillage, il va limiter votre croissance et limiter vos progrès jusqu'à ce que votre capacité vous permette de gérer davantage. Lorsque je prie, je demande à Dieu d'élargir ma capacité. Je suis heureux et reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Mais à mesure que la mission continue de se dévoiler, une nouvelle couche de ce que Dieu fait à Koinonia, une nouvelle couche de ce que Dieu fait dans ma vie. Vous voyez bien que le ministère apostolique est très progressif. À mesure que Dieu nous confie de plus grandes missions, il ne s'agit pas seulement de prendre conscience de ces missions, mais aussi d'augmenter notre capacité. Il y a un homme de Dieu ici. Dieu veut faire tellement avec vous, mais la vérité, c'est qu'au niveau où vous êtes actuellement, Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut faire. Il y a certaines personnes que Dieu ne peut pas amener dans votre vie, car vous n'avez pas encore acquis la sagesse, la puissance et la grâce nécessaires pour gérer ces bénédictions. Voilà pourquoi nous devons prier. La Bible dit, « Mais vous, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. » Prions par le Saint-Esprit. Jude 1, verset 20. Elle dit aussi, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Vous devez apprendre à vous édifier vous-même. Il y a des moments où vous n'avez aucun sujet de prière particulier. Vous allez simplement dans la prière et vous investissez ce temps pour grandir spirituellement. Je vous ai enseigné ici que parmi les nombreuses fonctions de la prière, la plus importante est pour votre croissance et votre transformation. Le jour où vous allez cesser de prier comme un rituel spirituel positif, vous allez vous limiter à un certain niveau et vous ne pourrez plus jamais progresser. Et voyez-vous, lorsque les défis deviennent plus grands que votre niveau d'onction, vous mettez Dieu dans une position où il devra envoyer les gens ailleurs, vers un autre instrument spirituel mieux aligné. Les résultats spirituels que nous obtenons dans le royaume paraissent faciles, mais c'est parce que la capacité spirituelle qui les génère est à un niveau qui rend ces défis superficiels. Si vous ne grandissez pas spirituellement à mesure que les besoins des gens augmentent, vous allez atteindre un point où votre stature spirituelle ne pourra plus répondre à leurs besoins. C'est la tragédie, et je le dis avec respect, de beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans notre nation et en Afrique. Ils ont arrêté de grandir. Le confort du ministère, une belle voiture, une belle maison, des honoraires généreux, le luxe d'un bon système de climatisation, des voyages en classe d'affaires, a érodé leur discipline et leur passion pour la prière. Et ils ont fini par rester à un niveau où ils ne sont plus pertinents pour répondre aux besoins de ce que Dieu leur a envoyé. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous ne pouvez plus bénir les gens que Dieu vous a envoyés, ils sentent que vous êtes spirituellement épuisés. Ils ne seront pas en colère contre vous, mais ils sauront qu'il n'y a plus rien. Ils diront, cet homme, cette femme ne peut pas répondre, ne peut pas résoudre le problème auquel je fais face. Il n'a pas la grâce nécessaire pour m'amener plus loin. Ma prière en tant qu'homme de Dieu est que je ne vous pénalise jamais par ma négligence et mon refus de croître. Sommes-nous ensemble? Que je ne limite pas votre efficacité spirituelle simplement parce que j'ai refusé de rechercher plus de lumière, plus de croissance et plus de transformation. Plus je suis élargi dans l'esprit, plus Dieu peut me faire confiance pour déverser l'huile sainte et plus il peut placer cette onction sur vos vies. Je veux que chacun de vous pose la main sur votre tête et demandez au Seigneur de vous accorder la grâce de prier jusqu'à ce que vous soyez élargi. Faites cette prière maintenant. Priez jusqu'à être élargi. Priez jusqu'à vous étendre. Priez jusqu'à ce que vous soyez élargi. Ce qui ressemble à une onction pleine aujourd'hui, lorsque vous serez élargi, laissera de l'espace pour recevoir des dimensions plus élevées de cette onction. Priez! Priez! Demandez la grâce de prier jusqu'à être élargi. Élargi dans l'esprit.
élargi en sagesse, élargi pour recevoir plus de puissance, élargi pour accueillir plus de grandes grâces, de plus grandes gloires. One minute you are praying. Make it a desperate, sincere, passionate prayer. Sape la caparanta que prete que pele que pa. I obtain grace to pray. When we pray, we are enlarged. When we pray, we build capacity. Capacity that allows the more of his glory, the more of his power, the more of his wisdom. A few more seconds, are you praying? Quelques secondes de plus, priez. Nous sommes dans une saison cruciale pour le corps du Christ. Il y a un appel à un plus grand élargissement, à une plus grande capacité. Dieu veut déverser une onction de fin des temps, des grâces pour les temps de la fin. Mais il cherche des vases élargis, prêts à recevoir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.